Qu'il est une succession de hasards, de rencontres humaines aussi, qui ont décidé que j'embrasse cette profession de parfumeur en fait. Et je me suis jamais levé un matin en disant oh, tiens, j'ai envie de faire des parfums. Ça a démarré en 2002 avec la composition entre guillemets de ce qui deviendra rapidement ma première création, Causer, qui était en fait pour moi simplement un enjeu vital. C'était d'arriver à capturer l'odeur de la cave à cigares de mon père. Puis le parfum pour lui c'était un mystère, quelque chose d'un peu abstrait. J'avais besoin de me créer pour l'avenir un lien olfactif avec lui, quelque chose que je sois susceptible de pouvoir utiliser pour remémorer sa présence. Causer, c'était vraiment un parfum construit sur ce thème-là, ce thème d'un tabac dans une cave à cigares avec des notes boisées, des notes baumées, des notes épicées aussi. Le succès de Causer, je pense qu'il est dû à ce que j'appelle sur le ton de la boutade, mais c'est réel, mon incompétence. C'est qu'à l'époque, je ne savais pas doser une note de tête. C'est-à-dire que j'avais pas le matériel de laboratoire, c'est-à-dire une balance suffisamment précise pour pouvoir doser une note de tête avec des agrumes, des choses. Des apports fins. Et Causer, en fait, il est articulé sur une double note de cœur qui démarre par un accord de patchouli et de chanvre indien, et puis après un antagonisme de notes épicées et gourmandes, donc cacao, café, piment, poivre et muscade. Il n'y a pas réellement de note de tête, c'est la note accrocheuse qui flatte un petit peu, qui rafraîchit. Et en fait, les observateurs de l'époque, les critiques, les Robert Parker du parfum, ont pris cette construction, on va dire, bancale, comme une volonté de tout casser. Le processus de création et même le déclencheur inspirant, il peut être vaste. Une rencontre avec quelqu'un peut être un déclencheur d'une émotion qu'on va essayer de retranscrire. Un film, une peinture, une photographie. Dans ma production, tout est éminemment personnel. Ma collection est une espèce d'un étalage de mes névroses aussi. C'est-à-dire que je suis le seul démiurge à bord et je crée que selon mes envies du moment. Une de mes fragrances s'appelle par exemple Querelle, et Querelle est directement inspirée de l'œuvre cinématographique de Fassbender qui s'appelle Querelle, et lui-même inspiré de l'œuvre de Jean Genet, Querelle de Brest. On a l'atmosphère du port de Brest à la tombée de la nuit. Qu'est-ce que ça sent un port quand la nuit vient de tomber? Qu'est-ce que ça sent un bordel? Il y a un gros patchouli qui tâche, une rosaldéhyde, la fève tonka, et puis un marin, ça sent quoi? C'est quoi l'archétype de la virilité en parfumerie, de la masculinité? Un vétiver. Et puis un corps en sueur, le corps des marins briquant le pont des bateaux, c'est le cumin noir d'Iran, la cannelle qui évoque la sueur, la sensualité, une espèce d'excitation, de tension sexuelle. J'ai une de mes fragrances qui s'appelle Yuzu Abirato, parce qu'en fait, quand j'étais en train de travailler sur la note de tête, j'ai été dérangé et j'ai mis une dose massive d'essence de yuzu. En fait, l'élocution Abirato signifie on ne doit jamais rien faire Abirato, ça veut dire on ne doit jamais rien faire sous l'emprise de la colère, c'est sur un coup de tête. Et le yuzu, il a été créé dans le cadre d'un coup de tête. Voilà, donc il peut y avoir tout un tas de choses. Je suis très attentif aux signes extérieurs pour nommer mes parfums aussi.